Hey, hey, hey! Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge. Et l'épisode commence bien puisque notre petit chien Loki est devenu un vieux chien. Mais... Et t'as réveillé les garçons? Mais continue d'aller dormir, mon petit. Et il a l'air de puer, ce chien. Oh, pauvre chien. Allez, tout le monde au dos. La familia. T'es déjà debout, toi? Bon, t'es d'accord. La familia est de... Et lui, il mange à quatre pattes, quoi, devant le vrai chien. Oui, d'accord. La familia est bien debout après avoir fêté l'union entre Heidi et Gabriel, puisqu'ils se sont mariés dans l'épisode précédent. Mais qu'est-ce que tu fous, Heidi? Va manger ailleurs? Toi, dors, mon petit Harold. Dors, Harold. Dors, Harold. Dors, Harold. Oh, t'es pas content. Ok, bah, si tu veux, tu vas jouer un petit peu pour te déstresser, là, te détendre un peu, et tu te continueras ta nuit. On est dimanche, il est 9 h du matin. Toi, tu peux aller pisser et te laver. Ce sera pas mal. Heidi! Heidi, how? Elle dit, ah ouais, elle se sent pas très très bien. Elle pense à un biberon, vous avez compris. Madame est en cloque. Mais on va faire ce que je voulais faire. C'est que Igor, j'ai changé sa constitution à Igor, c'est-à-dire que maintenant il peut porter des bébés. Et puisqu'il peut maintenant porter des bébés, on va appeler son amoureux. Oui, je sais. Laisse-moi tranquille. On va faire venir son amoureux et ils vont faire crac-crac et ils vont faire un enfant. Quoi? Oui, merci. Samuel va arriver. Heidi, ne traîne pas trop comme ça en petite tenue. Va aux toilettes, va manger, va prendre une douche, j'en sais rien, fais ta life. Rapport des droits d'auteur 858. Bah, tu gagnes pas beaucoup pour l'instant, Heidi. Gabriel. Gabriel, très bien. Gabriel va faire son petit pipi. Va faire ça prendre son bain, d'accord, tranquille. Donc, toi. Ouais, bah, tu vas pas être couché. Tu vas venir manger, te laver, aller aux toilettes et faire ta life, quoi. Quoi? Félicitations. Loki est en train de s'enfuir. Il fait rien. Mais non! J'ai jamais eu de chien qui s'enfuyait, moi! Loki, reviens! T'es vieux! T'es jamais parti! Oh, crottin! Bon, ben, avant que tout le monde soit en tristesse infinie, là. Ah, ben voilà, son mec, il est là. Tu vas éliminer la journée. Tu vas. Tac, tac. Pas demander en mariage, pas encore. Murmurer suavement. Non, mais. L'autre, il va aller directement dans le frigo. Non, mais. Et vous allez faire un bébé. Un bébé dans le bain à rebours. Voilà. Heidi. Heidi, elle va rebouffer, elle va devenir obèse, cette fille. Mais avec Gabriel, je m'étais dit qu'ils allaient partir prendre des petites vacances. Loin de la maison. Mais l'autre, il fait. Mais qu'est-ce que tu fais, mec? Ils allaient partir loin de la maison pour profiter de la lune de miel. Et partir à Granite Falls. Dans, avec, n'est-ce pas, l'onglet. L'onglet, n'importe quoi. Avec le kit destination nature que je n'ai pas encore utilisé. Mais elle a encore faim? Elle va prendre une douche. Parce que eux, là, ils doivent faire des choses. Hein. Oh, c'est trop mignon. Vous êtes trop mignons, les gars. Allez! Tu veux pas essayer de faire un bébé? Dépêche-toi! Allez! Mais! Zut de flûte! Voilà, j'ai dit bébé dans le bain à remous. Plus vite que ça, les enfants. Parce qu'après, Gabriel, il fait le ménage, il est tout fou.
Mais elle a refaim, quoi. Elle va bouffer toute sa life. Arrête de monter à l'étage! Il y a des trucs ici. Tu vas manger là, voilà. Oui, mais toi, tu nous casses les couilles, Garance. C'est bon. Lui, il est triste parce qu'il y a le chien. Bon, tu vas nous faire tout le reste. Maman, elle est triste. Bon, tu vas réparer le frigo. Mais pourquoi elle veut toujours aller là-haut, elle? Elle a un problème, hein? Sortez les bougies, mince! Les garçons sont en train de faire des choses. Ah, on a un peu loupé, hein? Tant pis. Moi, je vous dis, il s'éclate dans le bain à remous. Oh! Hop là! Toi, tu finis de manger. Toi, tu finis d'éponger. Elle finit de faire. Mais. Ils sont, il y en a, ils sont chiants quand même, hein, je tiens à le dire. Lui, ça y est, va éponger toutes les flaques de la baraque. Mais c'est bon, la Garance et... comment elle s'appelle, Justine, là? On en a assez. Tu sais quoi, cocotte? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas manger? Non, tu vas jeter. L'esprit de machin, c'est bien. Non, mais va jeter ça. Oh là là! C'est pas possible, c'est le bordel dans la baraque. T'as encore faim déjà, Heidi? Ça va plus, hein. Bon. On va partir. Tant pis. Les trucs seront pas finis. Harold. Mais Harold va manger! Lui, il est bien là. Est-ce que tu peux refaire un bébé ou est-ce que t'es déjà enceint? Il est déjà enceint. C'est parfait. Allez! Gabriel, les amoureux, on y va, on s'en va, on prend des vacances. Non, on part que avec Heidi. On va déconner. On va à Granite Falls. Allô? Est-ce que c'est l'agence de voyage? Est-ce qu'on peut partir, s'il vous plaît? Merci. Au revoir. Granite Falls. On a 16 000 et on va prendre... Lui il est plus cher, 635, non, bon, camping, on va prendre celui-là. Allez, go! Ah oui, combien de temps? On va partir 2 jours, on va pas repartir trop longtemps. On va pas perdre du temps. Et nous voici à la location! Ta-da-da-da-da! Elle a déjà fait! Ça commence bien! Ah, alors attends, oui, c'est grillade du coup. Ah bah! D'accord, c'est lui qui fait la grillade. Compétence cuisine. Ne fous pas le feu. Arrête-toi, viens ici plutôt. Oh, elles sont jolies les plantes. Alors, nous voilà à Granite Falls. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Apprécier. Tu vas apprécier cette statue de reine à chapeau. Qu'est-ce que c'est? Acheter du matériel et explorer les bois. Amenez-moi au logement. Amenez-moi à la salle de bain. Et ce monsieur-là? Tu vas te présenter chaleureusement. Peut-être qu'il va nous donner des infos. Ou pas. C'est joli, c'est... Il y a plein de fleurs. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu vas le voir de face, d'accord, on a compris. Waouh! Oh! Qu'il est beau. Tu peux discuter avec le mec du coup? Ah! Bah il vient chez nous. D'accord. Bah viens ici. Tu vas courir ici. Bonjour les amis, je suis Arjun, votre gentil garde forestier. J'ai un tas de choses sur le camping, si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à venir me voir. Qui va te présenter chaleureusement à Arjun. 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 Oui. Va manger. Est-ce qu'ils ont un truc aussi à faire à cheval? Ah oui! Comme dans le Decade. Ouais! Dis donc, t'as l'air de bien te débrouiller, mon gars. Alors, est-ce que tu peux lui poser des questions sur le coin? Demander des informations sur le camping. Wogra job?
Est-ce qu'il y a des choses à demander? Voilà. Alors, vous pouvez trouver des herbes à Granite Falls et utiliser un barbecue ou une cuisinière pour préparer des remèdes. Il paraît que le déodorant est populaire. Une cuisinière pour préparer des remèdes? On va redemander des informations sur le camping. C'est trop drôle, Heidi, la vie. Bon, Heidi, elle a refaim encore. On va mettre ça à... Ok. Tu vas manger un hot dog. Hot dog VG, j'espère, d'ailleurs. C'est bon, hot dog VG. Comment ça, tu peux pas y aller? Ils sont là, les hot dogs. Viens pas nous casser les couilles, hein. Ah, mais t'es chiante, meuf. Là, tu vas savoir y aller, là. Ça va pas être trop compliqué. Et toi, tu vas te présenter aussi. On va demander des infos. Pour une gazinière, on en a pas. On a que le barbecue. Et est-ce que tu peux demander aussi des informations peut-être différentes de ce que Heidi a récolté? Nisota Saburano. Narkin Flova? Flazit. Dorna Quex. Ok, c'est la même chose. T'as que ça à nous raconter. Très bien. Alors, et j'ai vu qu'il y avait une petite forêt. On va donc y aller. Une fois qu'ils se seront sustentés correctement. Mais mange, cocotin. Oh, elle se rapproche de son mec, mais lui se dit oh non, ne m'approche pas. Ne m'approche pas, connasse. Tu vas lui faire des bisous? Qu'est-ce qu'il fait? Non, non, vous prenez pas d'eau, là, vous faites chier. Au pire, tu fais la vaisselle, si tu veux. Voilà. Mais tu finis de manger, cocotte. Et puis on va se bouger dehors. Tu vas aller aux toilettes aussi avant. Hop. Alors, je fais pas encore le test de grossesse, parce que comme là, on n'est pas à la maison, ni rien. Bon, il y a confort quand même, hein. Mais je veux pas qu'elle soit emmerdée ailleurs. Vous voyez, enfin, à cause de sa grossesse, à être emmerdée, à faire quoi que ce soit, en fait. On va aux toilettes. Qu'est-ce qu'il fait? Il jette. Nettoyer. D'accord, bah, c'est un vrai petit homme de maison, notre Gabriel, hein, finalement. Il n'a pas les trucs bien élevés et tout ça, mais il a des très bons traits. C'est plutôt bien. Elle, on lui avait mis un trait pourri, me semble, non? Paresseuse. Ah ouais, c'est ça, elle est paresseuse. Bon, bah allez, on va se bouger les fesses. Oh bah Fauve est dans le coin. Par contre il s'entend pas avec Fauve. D'accord. On va aller à la forêt là. Heidi vous verra là-bas. Très bien. Là. Voilà, on va aller là. Yo! On est à la forêt. Ah la forêt. Ta 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 la forêt. Oh oui, Heidi, on sait que t'es un cloque. On le sait. Les bisous, les bisous. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire de joli? Ah, il y a un bâtiment. C'est un bar? Non, ça n'a pas l'air d'être un bar. Ok, acheter des graines. Ok, ok. Il y a quand même de quoi manger. C'est bon à savoir. Et qu'est-ce donc tout cela? Phasme. Contempler Phasme. Ça, les grenouilles, je connais. Ah, il y a quand même des papillons, des machins, des trucs. Il faudrait qu'on puisse les... Ah, fourmis rouges. Ah, oui. Ah, dégueu. J'aime pas ça. Après, voilà. C'est quoi, ça? Luciole, arc-en-ciel. Ah, j'en veux. Comment on fait pour en choper? Pas le mettre dans l'inventaire. Et ça, on peut pas le lire, d'accord. Il y a des punaises. Oh, quelle horreur. Ah, ah, ils sont bien faits, hein, c'est dégueulasse. Oh, un criquet. Une main, un montre religieuse, je suis bête. Il y a un phasme dans ce terrarium, oui.
Ah, on peut choper des bestiaux, ça veut dire? Mais on peut les choper où? Il y a un papillon morpho-bleu dans ce terrarium. C'est-à-dire qu'on peut les choper ici dans la forêt, peut-être? Ah, il y a des trucs à creuser là. Tu vas venir creuser? Je sais pas, hein, je découvre. Ah, c'est quoi ça? Plante sauvage. Attends, c'est toi qui vas venir la choper. Côté des produits. Je sais pas du tout ce que c'est. J'entends de l'eau. Ah! Oh! C'est joli. Oh, des poissons. Oh, un ours qui pêche! Philippe Robert, il pêche. Tiens, tu vas venir là. Tu vois, il y a des trucs à creuser et tout. Oh, c'est quoi ça? Quoi? On peut la choper. Mais c'est quoi ce truc? C'est un avion? Waouh, c'est immonde! Tiens, tu peux essayer de le choper. Waouh, je savais pas qu'on pouvait choper des trucs. Par contre, ces plantes-là, elles sont jolies, mais on peut pas les récolter. Et donc, ah, oh, d'accord. Les chutes. Les chutes du Granite Falls. C'est joli, hein, le coin-coin. Bon, moi, je suis déçue, c'est qu'on puisse pas se baigner, par contre. Ouais, non, on peut pas. On peut que pêcher, on peut pas se baigner. Je crois que l'ours, il veut te parler. Tu peux choper ça, s'il te plaît? Elle est où? Ah non, c'est lui qui va le faire. Ah ouais. Il a réussi à le prendre. Oh ben, elle s'est téléportée, elle. Un luciole dragon. Oh, trop bien, un luciole dragon. Waouh! Rare à 600 simflouzes, mais c'est une blague! Mais non! Tiens, tu vas te présenter à l'ours. Parce que toi, t'as ton... Elle est fêtarde, en fait, il faut qu'elle se présente à plein de Sims pour son... Non, mais... Oh, le truc dragon, là! J'avais raison, au final. Hé! Hé! Il y a des trucs aussi à choper, là. Des libellules! Oh! Trop bien. Ah, oh, il y a des papillons! Ça m'éclate. En fait, ça me fait penser aux Sims 3. Sims 3, on pouvait collectionner des bestiaux comme ça bah dans la vie, quoi. Dans les... Une plante sauvage, on sait pas ce que c'est. On pouvait les collectionner, les attraper et tout. C'était super sympa. Bon, surtout, prends ton temps, Heidi. T'as raison. Deux libellules. Trop bien. Il y a des petits papillons là-bas. Par contre, c'est horrible, ça. Moi, j'ai pas envie de choper ça, hein. Et lui se met à la pêche. Bah écoute, c'est bien. Il y a des trucs à collectionner du coup. D'autres trucs, je veux dire. C'est trop sympa. Mais voilà, il faut c'est dommage parce qu'il faut l'extension pour choper les bestiaux alors que... Papillon monarque. Oh, c'est bien ça, le papillon monarque. Ah non, c'est rare insolite. Libellule rare insolite. Rare insolite. Qu'est-ce que j'ai? Rareté insolite. Oui, non, c'est pas rare. Qu'est-ce que tu vas faire? Partir en randonnée. Mais qu'est-ce que tu vas faire en randonnée, cocotte? Ah, il se fait 20 h déjà. Il se fait 20 h. Je suis en train d'explorer, hein, vous voyez. S'il n'y a pas des bestiaux à choper. Oh! Oh, il y en a. Viens ici. Il y a encore un petit coin ici. Oh, avec l'aigle et tout. L'aigle, on peut pas le choper. L'aigle ou le pygargue. Je crois que c'est ça le nom. Mais je sais, j'avoue que je ne sais pas encore faire la différence parfaite entre les deux. Mais je sais qu'il y a beaucoup cette. Ils confondent énormément les gens. Donc voilà. Moi, j'aurais fait. Genre, je m'y connais alors que je suis incapable de les reconnaître. Moi, bon, il n'y a plus de bestiaux. Hein. De toute façon, ici, on peut pas y aller. Là, on peut y aller. Là, on retourne ici. Ah, il y a encore des papillons ici. Gabriel, tu peux venir? Après, la nuit tombe. On a des champignons. On a un petit enfant qui court dans la forêt tout seul. Il n'a pas peur, lui. Parce qu'il y a un bear hein, qui est dans là, donc si c'est pas un pédobear, tant mieux, mais c'est un peu flippant quand même. Hein. Pour les enfants, enfin moi je ferais pas confiance. Elle a rechopé des libellules, donc c'était la même chose.
On peut venir jusque là, hein? Attention, ça rigole pas. Oh, dis donc. Oh, mais dis donc! On se courait dans la jungle. Ben, alors là, c'est... Oh, il y a des bestiaux. Viens. Il y en a ici. Qu'est-ce que tu faisais avec... Qu'est-ce qu'elle faisait avec... Oh, il y a plein de bestiaux ici. Alors... Et puis, il y a un truc à creuser. Mais il y a plein de trucs à faire finalement ici. Je pensais qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Bon, après, il faut avoir envie de faire une collection, je pense. Ah, mais c'est quoi ça, c'est... Ah, vu le bruit, on dirait des moustiques. Oh! Une petite enfant qui va se faire piquer. Je disais quoi? Je sais plus. Elle a des spawns. Oui, alors on va faire la grotte. Bah, pas aujourd'hui, je pense, mais... on va revenir... Oh là là, mais... C'est vachement beau, en fait, j'aime bien. Puis alors, j'aime bien... Essayer de choper des trucs comme ça par terre et tout, c'est hyper sympa. Mais ouais, en fait, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose à faire, sauf si on veut capturer ça. On va capturer ça. Des trucs. Qu'est-ce que tu fais? Il part en randonnée. Mais ça veut dire quoi partir en randonnée? J'ai cru voir une. Ah mais le truc dragon, je suis tellement contente de l'avoir. 600 boules quoi. C'est génial. Oh là, je crois qu'elle est plus en forme, notre petite Aidiao. Ok. Alors par contre, il est où le truc là que j'ai vu? Parce que si j'y retourne, il faudrait que je sache où aller. Je sais pas. Punaise. Elle est où la caverne d'Ali Baba là? Ah, elle a chopé des termites. C'est pas ici? Si, si, si. Ok. Ok, c'est bon. Enfin, c'est bon. C'est entre deux rochers comme ça. D'accord, on va voir comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Partir en randonnée. Tu vas pas partir en randonnée, mec. Il faut que t'attrapes des trucs là. Elle a déterré une capsule. Oh! C'est quoi ça? Heidi! Mais c'est quoi ces trucs? On dirait des... Je sais pas. Avec des yeux. C'est excellent. J'aimerais les lucioles aussi, du coup. On n'a pas encore vu les lucioles. Après, il est 23 h. On va peut-être les faire rentrer. Ah ouais, elle est crevée. Ah! Il n'y a plus le truc dragon. Heidi, dépêche-toi, on veut que tu chopes... Ah non, ça c'est une fleur, d'accord. On veut que tu chopes ça. Si tu peux vite arriver avant qu'il despawn. Je sais pas où elle est. Mais c'est rigolo! L'esprit d'Ira est en train de disparaître. Ok. Alors, lui, il a chopé des sauterelles et elle a chopé un grisâtre. Qu'est-ce que c'est un grisâtre? 200 boules! Des moustiques, des termites, libellules et papillons monarques, d'accord. En fait, partir en randonnée, c'est quand ils commencent à marcher, c'est ça? Ils vont un peu se balader. Ok, je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à choper ou on laisse tomber, on retourne à la maison? Oh! Viens ici! Viens là. Ils sont où? Ils sont là. Viens choper les insectes. Oui, je sais, t'es pas bien, mais juste, on va essayer de choper ça. Qu'est-ce qu'il veut faire, lui? Il peut utiliser les toilettes. Viens ici, toi. Est-ce qu'il y a d'autres... Il y en a là-bas. Non, 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 tu... Toi, toi, attends. Je voulais les lucioles. Tu vas choper les lucioles ici. Ah ouais, c'est bon. Elle va les choper. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, non, là, ici. Ici, Heidi. Allez, tu chopes ça et promis, on rentre à la maison après. Allez, viens! Bah lui, il a chopé trois lucioles. Cool! Ah, lucioles dragon?
Luciole dragon? Non, c'est la même chose que tout à l'heure. Luciole, ah oui, c'est moins cher. C'est 4 simflouz. Allez, on va rentrer. Voilà, rentrer au logement. Allez-y. On vous rejoint là-bas. Il est parti en avance, lui. Lui court. Ah, voilà. Allez, on rentre. On aura fait... Eh, c'était quoi, ce truc? Non, c'était un truc... ouais, je sais pas. C'était bizarre. Bon, alors, vite, on va s'occuper... Aïe, 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 aïe. On va s'occuper de demoiselle, parce que là, elle va plus. Je pense qu'elle va, elle va sombrer dans le... Lui, ça va, hein. Mais elle, d'ailleurs, sa grossesse ne s'est pas encore déclarée, mais ça va pas du tout. Heidi, ça va pas du tout. Ma pauvre. La lune de miel n'est pas top pour elle pour l'instant. Bon, le verre, on va le virer. Est-ce qu'on n'en veut pas? Au moins, elle va se remettre son pipi. Oui. D'ailleurs, tu vas peut-être... Est-ce que tu vas manger? Non, tu vas te coucher un peu rapidement tout de suite. Comme ça, tu vas récupérer un peu. Ah ouais, 2h20 du matin quand même. Lui, il est bien, hein. Tranquille, Emile. Ah mais donc du coup, on a récupéré pas mal de choses. Tu vas ouvrir. C'est quoi ça? Champignon non identifié. Et donc, fleur non identifiée. Un trévor. Ah oui, c'est encore ça. Oh, je m'en fiche, moi, des... Ouais, je vais la faire dormir un peu. Et quand elle va remonter un peu, je vais la faire manger. Grisâtre. Ah ouais, ça, c'est cool. On s'est déjà remboursé les frais de vacances, quoi. Donc, dès que tu dors un peu, j'ai l'impression que ce lit, en plus, il est pas confortable. Ça me donne pas envie d'aller me dormir là-dedans. Mais ça, pour le decade, c'est énorme pour commencer. Tu mets ce lit-là, t'es tranquille, hein. T'es bien dedans, hein. Et après, t'iras manger, cocotte. Toi, tu commences à être fatiguée, tu vas nous prendre une petite douche. Je crois que c'est douche en buée. Bon, elle est pas beaucoup remontée. Si tu vas manger tout de suite, après, ça ira mieux. Elle a besoin de se divertir. Oui, t'inquiète, c'était mon plan de vous divertir juste après. Parce que moi, une lune de miel sans faire crac-crac, ce n'est pas une lune de miel. Voilà. Ah, mais pourquoi tu manges ? Pas sur le lit, c'est pas grave là, tu perds du temps, elle est de l'autre côté. Oh là là. Casse-pied, c'est quoi ce truc? Non, 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 viens. Tu vas t'asseoir. Ça y est. La fin de Cybèle est proche, profitez des derniers jours de vie. Ah! Zut, flûte mince, Cybèle va nous quitter déjà. Ah, mais elle est en train de jouer aux cartes? Ah, c'est pour ça qu'elle voulait manger là. Non, mais joue pas aux cartes, juste mange, cocotte. Ouais. Ah! Ah! Il est à peine 4h du matin et ça y est, elle a le noubou. Elle va le nouveau lui dire. Non? Elle lui dit pas. Si, ça y est. Yes. J'espère qu'ils auront les yeux violets, ces enfants. Voilà, toi t'es énergique. Ils sont tous les deux crevés. On va leur faire faire crac crac et puis basta. On finit de manger ton truc et puis après... Non, tu joues pas. Tu fais crac crac. Voilà. Allez, dépêchez-vous, les enfants. Bon, ça fut laborieux, mais j'ai réussi à leur faire enfin faire l'action. Bon, voilà, les enfants, ils font crac-crac. Et puis, on va vite passer à la suite. On va explorer la fameuse cabane. Et essayer de choper... Oh, punaise. Elle tombe dans les vapes pendant le crac-crac. Pas satisfaite. Ah, bah oui. Va dormir. Ouais, non, elle va s'épuiser avant. Bon, et ben quel nul de miel, vraiment pas terrible pour madame, madame Heidi. Oh la pauvre quoi, la pauvre, la pauvre, la pauvre. La fin des vacances dans un jour, et elle se réveille pile poil. Et ben écoute, je te laisse aller manger ma belle. Lui aussi, il est encore en train de dormir. Dans un jour, bah écoute, ouais, c'est nickel. Ça nous laissera le temps d'aller
à la grotte là-bas, de voir si on peut pas choper un truc dragon. Et puis on va rentrer, on va pas repasser une deuxième nuit là, parce que en plus comme Cybèle, elle va bientôt partir à Igor, il est en cloque, il est content, il était méchant, méchanceté réjouissante, bah super. Et Loki n'est toujours pas rentré. Il est d'humeur enjôleuse. Ok, d'accord, très bien. Bon bah ils vont bien, ils ont l'air d'aller bien pour l'instant de l'autre côté à la maison. Regardez-moi comme c'est joli. C'est paisible ce petit cours d'eau. C'est mignon quand même. C'est dommage qu'il n'y a pas tant de choses que ça à faire, mais ça reste très mignon comme petit coin de paradis. Ouais. Vraiment très 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 joli. Ok, nous revoilà donc dans la forêt. Oh, de Granite Falls, la li la la, dans la forêt. J'ai cru entendre des lucioles dragons. Alors, je suis paumée moi, je sais plus. C'est là qu'on avait trouvé la luciole dragon. Est-ce qu'il y en a encore? On va essayer de venir un peu, on va voir si ça spawn ou pas. Non. On va aller là. Là où il y avait deux ici. Peut-être que la luciole dragon va spawn ici. Non. Pour l'instant, en tout cas, non. Alors, nous allons donc explorer la petite. Qu'est-ce que ça va faire, elle? Elle va aller vomir. Bon, on va laisser aller vomir. Dans ce cas-là, on va aller prendre Gabriel. Et c'est lui qu'on va aller envoyer dans la grotte, là. Alors, attendez. C'était où? Face à ça. Non. Non, c'était pas celui-là. Ah! Oh. Là? Ouais. Parce que pour moi, il y avait les fleurs. Oui, c'est ça! Et est-ce qu'il y a des bestiaux à récupérer? Pourquoi on n'a pas ces herbes-là, nous, pour construire? Oh, peut-être qu'on les a, mais non, ça m'étonnerait. Parce que j'ai fait un peu de construction, je ne les ai pas vues. J'aime bien, moi, ces herbes-là. Elles sont vachement sympas. Bref, tu vas venir explorer, mon petit. Et plus vite que ça. Festival Fresque Humour. Donc forcément, on ne va pas avec lui, mais on explore la petite. Explore les ronces. Encerclée par des fourrés, des épines et très certainement du danger. Gabriel doit prendre une décision, avancer ou battre en retraite et arrêter l'aventure. Bah non, on va avancer. Attends, on n'est pas venu jusqu'ici pour arrêter au bout de 2 secondes, quoi. Explore les ronces. Après plusieurs minutes de progression difficile dans les buissons, Gabriel voit son chemin bloqué par une grande toile d'araignée. Ah! Il vaudrait mieux que la créatrice de cette toile ne soit pas dans le réparage. Oh, quelle horreur! On va trouver un autre chemin. Parce que, voilà, je peux pas. Moi, c'est les araignées. Je ne peux pas. C'est physique. C'est, ça me dégoûte. Une peur semi-rationnelle des énormes araignées habiles a obligé Gabriel à retrouver un autre chemin. Bien sûr, celui-ci était recouvert de feuilles de feu trop mûres. Les feuilles de feu trop mûres. C'est tout? Ah non, mais retourne-y, mon gars, tu vas. Enfin, je sais pas. C'est pas grave, on va traverser l'araignée, quoi. Ah, bah du coup, j'ai pas la même chose. En avançant dans les feuillages avec un courage intrépide, Gabriel tombe sur un ruisseau bouillonnant. Doit-il s'arrêter et pêcher? Non, continue à marcher. J'espère que. Moi, je connais pas le chemin à faire. Hein. C'est vrai que là, j'y vais à l'aveuglette. Hein. Gabriel sent qu'il est sur le point de trouver quelque chose de spécial, quelque chose qui en vaudra vraiment la peine, mais il se fatigue rapidement. Gabriel doit-il faire une petite sieste ou continuer? Oh, il est en pleine forme, il continue. Non mais oh. En ce temps-là, Heidi va jouer. Alors, Gabriel a progressé dans le feuillage dense pour finalement découvrir une crique sacrée au milieu de la forêt. Oh, une anse où se trouve un mystérieux cime. Non, on va aller vers le cime, se déplacer. Ah oui! Ah, cool! Ah, je savais pas qu'il y avait un lieu! Ah, oh, trop bien! Maison de l'ermite! Ah, oui, la maison de l'ermite! Pardon! C'est toi, tu peux venir du coup. Ici. Amener Heidi ici. Allez, zou!
Alors, on va mettre sur pause parce que là, c'est vrai que j'avais entendu la maison de l'ermite, tout ça. Mais elle est où sa maison? C'est joli, hein? Oui, c'est joli. Bon, il manque. Ah, il y a un truc là pour faire à manger. Ici, nous avons donc le lot avec une cascade. Est-ce qu'il y a un truc dragon? La meuf qui est obsédée avec sa luciole dragon qui vous scie son boule, quoi. Ah non, mais le truc, je suis tellement étonnée d'avoir chopé ça, alors que je connais même pas. C'est trop cool. Là, il y a un truc à creuser. En même temps, ça n'a pas eu le temps de spawn beaucoup, je pense. Oh, waouh! On peut pas descendre à là, hein. Waouh! Ah, c'est trop beau! C'est moins beau que la jungle, hein, effectivement, je dirais. On peut pas venir là non plus. Mais pourquoi? Pourquoi? Je suis bloquée et je sais pas où je suis. Ah, c'est quand même joli. C'est quand même joli. Oh putain. Oh putain, je suis partie où? Je suis partie au bord de la map, regardez-moi ça. J'ai tout cassé le jeu. J'ai tout cassé le jeu. Vous savez qu'on peut aller au-delà de la map, hein, regardez. Tac, tac, tac. Je suis un dieu et devant moi j'ai ma création. Da 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 da. Ah non, j'ai encore ça. Ouh là, ouh. Ah, ouh. Bref. Je sais on va re-zoomer où ils sont eux parce que je ne sais pas du tout où moi je suis. Elle est où cette fameuse maison? Ah, elle est là! Putain. Et je suis bigleuse à moi. Il y a des jours où je vois rien. Et alors, il y a un monsieur, il y a une madame, il y a quelqu'un qui habite là? Une personne qui a visiblement un problème de cheveux. Jeanne Dupont. Bah écoute, Heidi. Ah, mais non, je voulais pas cliquer sur Heidi. Elle est où cette baraque? Elle est là. Tu vas te présenter chaleureusement à Madame Dupont, qui est habillée. Fou, c'est dégueulasse quoi. On dirait pire que Cendrillon. Voilà, la petite présentation en règle. Complimentée, on la connaît pas, mais vous avez des cheveux magnifiques, madame. J'osais pas vous le dire, mais vraiment. Y a rien à demander? À la com. What? À la co herboristerie, mais pourtant elle a rien fait. On fait quoi avec cette personne? Niveau supérieur de la compétence charisme, ok. On peut rien faire en fait, c'est on s'en fout, enfin y a rien. Buisson de mûre, buisson de sauge, fraisier, bon ça fraisier, basilic, plante. Il n'y a pas moyen que tu récoltes les produits des murs, ça va. Il paraît que c'est super cher, mais. Et te crame pas, toi! Mais qu'il est con. Il va se cramer les pieds. Pensez à un membre de sa famille. Ah bon, d'accord. Un bon petit feu, petit queue de fan. Non, Frida, on n'est pas dispo, alors on est en lune de miel, quoi. Ça se voit peut-être pas. Ah, il y a ça aussi. Hein. Tu peux peut-être récupérer ça, ouais. Et tu vas récupérer ça. C'est quoi ça? C'est des cassis? Compétence jardinage. On va récupérer plein de choses, moi. Fleurs non identifiées. Myrtille! Ah, c'est des myrtilles! Ah, bah, champignons, j'aime pas les champignons. Bon, en gros, il n'y a rien à faire, quoi. On a découvert la maison de l'ermite, là, mais... Non, mais tu vas nettoyer ça, surtout, cocotte. Tu vas emprunter ses toilettes. Parce que sinon, tu vas te faire dessus, je le sens bien, à un moment donné. Comment Gabriel va? Lui, il va nickel. Tu peux te présenter aussi à Madame, j'ai pas de cheveux. Et est-ce qu'il y a des choses à faire ou pas? Oh, par contre, les aigles qui passent à travers les rochers, j'avais jamais vu. C'est un aigle mutant. Un pygargue mutant, peut-être aussi. Je ne connais pas. Je suis pas sûre de ce qu'on. Ah, oh, c'est trop joli. C'est des sources chaudes. Mais on ne peut pas accéder là, de toute façon. Ouh là là! Où on est monté, où ici? Oh là là! Ah ouais, c'est joli, hein. Mais y a rien d'autre à faire en fait. On parle au vieux, à la vieille là, et puis c'est tout quoi. Bon, bah c'est super. De toute façon, on va rentrer à la maison.
Parce que là, il est 20h. On a Cybelle qui va claquer très bientôt. C'est pas. Voilà, il n'y a rien à rattraper ici. On va peut-être refaire rapidement un tour. Ah, oh, si! Ah, si, viens. C'est quoi ça? Ils sont beaux! Pourquoi il y a des trucs qui tombent? C'est bizarre. Donc, on peut quand même choper des trucs ici. Mais arrête de faire à manger, viens choper les trucs. Elle a chopé des papillons lune, c'est trop cool. Et il y avait des lucioles, donc j'ai envoyé Gabriel les choper. Il n'y a rien d'autre. Il a chopé trois lucioles. Très bien. Je suis sûre que les papillons lune, ça doit être pas mal aussi à niveau thune. Bah il n'y a rien, hein. Pour moi, il n'y a rien. Je vais voir ça tout de suite dans son truc. Lucioles grisâtres. Ça. Ah bah non, papillon lune, 4 simflouzes. Ouais bah d'accord. Ouais. Ah j'ai cru qu'elle était tombée. Elle était morte. Ça va, elle regarde juste les étoiles. Très bien. Mais écoute, si ça peut te faire plaisir, ma cocotte, il n'y a pas de problème. Bon, je leur fais faire une petite dernière excursion rapide ici. Histoire de pouvoir choper peut-être d'autres bestiaux. Et puis après, ils vont rentrer tranquillement à la maison. Oui, j'essaie de voir s'il y a toujours le truc dragon. Hein, si vous commencez à me connaître, vous savez que je suis fan de Game of Thrones. Et que forcément, je suis une pro-Targaryen, donc j'adore les dragons. Voilà. Il n'y a pas le bazar. Bah, c'est tant pis. Je vais explorer un peu et puis après, on verra. Si. Et puis après, je les ferai rentrer, dormir et puis les vacances prendront fin. Les enfants, j'ai retrouvé des grisâtres! Alors, Heidi va aller les choper. Si elle a la motivation. Les gars! Les gars, j'ai trouvé un écureuil! Mais on peut pas l'attraper! Ah! C'est trop dommage! Ah non! Je suis très déçue. Je suis archi déçue. Oh! Je les ai fait retourner à la maison. Donc, toi, tu vas faire un petit pépé et puis tu vas manger. Et toi? Ah mais elle est en forme. Bah écoute toi, tu vas regarder les étoiles. Fais-toi plaisir, ma belle. Que tes futurs enfants puissent profiter aussi de tout plein de choses. Mais il y a des trucs qui tombent ici. Mais on peut vraiment pas choper de bestiaux ici, ce serait rigolo quand même. Là, on va choper. Ça va avec la lampe, c'est pas juste des bestiaux. Donc non. C'est triste un peu. Oh non. Ça c'est un. Ah c'est ça le camping-camping. Ouais, je pense que c'est le terrain de camping. Alors ma belle. Tu vas. Non, tu vas pas jouer. Tu vas aller aussi aux toilettes. Et tu vas discuter avec ton amoureux. Histoire de. Voilà. Attends, une lune de miel. Et puis vous inquiétez pas. On va finir les vacances sur un acte un peu oticracracounet pour fêter le départ. Parce qu'après, le lendemain matin, je les referai entrer à la maison. Et ce sera évidemment pour l'épisode prochain. La longue vie de Cybelle touche à sa fin. C'est le moment de. Oh là là, il faut qu'on soit rentré. Il faut qu'on soit rentré, ça va plus. Alors, tu vas faire crac-crac avec Gabriel et j'ai hâte de rentrer parce qu'il faut pas louper la mort de Cybelle, sinon je voudrais pas quand il rentre, ben nous on voit un truc l'espèce d'urne et puis basta quoi. Allez les enfants, cette fois-ci le crac-crac il sera mieux que la veille, hein, je te l'assure Heidi, ça ira mieux. En plus il est énergisé ton homme donc ce sera parfait. Et moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter. Le petit crac-crac de fin d'épisode, comme d'habitude. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous donne donc rendez-vous pour le prochain avec semblablement la mort de Cybèle. Que j'essaierai bien sûr. Alors, autant je veux les faire rentrer chez eux pour pas qu'ils loupent la mort, mais en même temps, je ne veux pas qu'ils y assistent parce que vous savez très bien qu'après, ils sont tristes. Et on fera aussi le déménagement d'Igor et on verra si Harold va pouvoir être papa aussi de son côté ou pas. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis donc à la prochaine. Salut!